l'interruption des affaires culturelles, sociales et familiales par Madame Mère Mélène Patience Félicité, épouse et Bougou, sénateur, sur le projet de loi numéro 195/PJL/SEL/2S relatif à la procréation médicalement assistée au canton. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues, en sa séance du 23 juin 2022, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet de loi numéro 195/PJL/SEL/2S relatif à la procréation médicalement assistée au Cameroun. Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à M. le Président du Sénat conformément à l'article 32 de la Constitution. Au regard des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents, réunie le 29 juin 2022, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen au fond à la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales. Votre commission s'est réunie à cet effet le 30 juin 2022. Le projet de loi était présenté et défendu par M. le ministre de la Santé publique. Les travaux se sont déroulés en présence de M. le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. De l'exposé des motifs, il ressort que le projet de loi soumis à l'examen du Parlement a pour but de fixer les règles destiné à encadrer l'exercice de la procréation médicalement assistée, PMA, au Cameroun. Cette activité qui se pratique au Cameroun depuis de nombreuses années a connu un certain essor avec la création du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, le CACEN, par le décret présidentiel numéro 2011/336 du 13 octobre 2011. Il a cependant été relevé que la PMA s'exerçait sans aucun cadre légal, toute chose pouvant ouvrir la voie à de multiples dérives dans un secteur réputé extrêmement sensible. Le dispositif législatif proposé vise à la fois à apporter une réponse juridique à la forte demande parentale de couples mariés ou non, mais aussi un encadrement normatif en termes de règles et procédures à observer par les praticiens du domaine concerné. À ce titre, le projet de loi offre l'opportunité aux demandeurs de la PMA de voir aboutir leur projet parental en bénéficiant d'une protection juridique adéquate. Fournie aux établissements hospitaliers exerçant la PMA ou désirant exercer le cadre légal régissant leurs activités, permet au pouvoir public de disposer d'un instrument approprié de contrôle et de régulation de ce secteur. Relativement à son contenu, le projet de loi soumis à l'examen du Parlement comporte 65 articles repartis dans 10 chapitres. De manière générale, il pose et réaffirme clairement les principes qui doivent sous-tendre le recours et la pratique de la PMA, à savoir le respect de la vie et de la dignité de l'être humain, le principe du consentement écrit préalable, libre et éclairé, l'exigence de gratuité, de volontariat et d'alignement, le respect des règles bioéthiques et déontologiques, la confidentialité et la sécurité des données et informations recueillies, l'information préalable des demandeurs et l'accompagnement psychosocial du couple. Le projet de loi sous-examen entend, en outre, réserver le bénéfice exclusif de la PMA au couple. Pour recourir à cette pratique, les membres du couple doivent être âgés de 21 ans au moins, et 55 ans au plus pour les femmes.
limitation qui prend en compte le fonctionnement relatif de son corps. Pour ce qui est de l'homme, il est proposé de ne fixer aucun âge maximum. L'intérêt de l'enfant à naître a également été pris en compte à travers des dispositions interdisant la divulgation des informations pouvant conduire à sa stigmatisation. C'est dans cette même optique qu'il est prévu que la filiation de l'enfant à l'égard du couple soit de droit, que celui-ci soit marié ou non. S'agissant du contrôle et de la régulation étatique, le projet de loi pose un ensemble d'interdictions assorties de sanctions administratives et pénales auxquelles s'exposent les contrevenants. Les sanctions administratives vont de la suspension au retrait de l'agrément, tandis que la répression pénale prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans, à côté des amendes dont les plus fortes s'élèvent à 20 millions de francs CFA. Les établissements et centres exerçant actuellement les activités de PMA disposent d'une période transitoire de 1 an pour se conformer aux prescriptions légales. En définitive, avec l'adoption de ce projet de loi, le volet juridique qui faisait encore défaut à ce secteur d'activité est désormais pris en compte pour réglementer une activité qui demeure complexe parce qu'elle touche en même temps à la médecine, à la biomédecine et à la bioéthique, sans perdre de vue son intervention possible dans le champ des valeurs sociales. Invité à prendre la parole pour d'éventuelles explications complémentaires à l'exposé des motifs, le ministre de la Santé publique a tout d'abord exprimé sa gratitude pour les félicitations que lui ont adressé les membres de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales du Sénat relativement à l'ensemble des activités menées par son département ministériel. Venant au texte sous-examen, il a également remercié le président et les membres de votre commission pour l'intérêt qu'il a suscité. Parlant de l'exposé des motifs de ce projet de loi, le ministre de la Santé publique a considéré qu'il présente clairement le contexte actuel de l'exercice de la PMA dans notre pays et n'appelle pas d'explication additionnelle. Au cours de la discussion générale sur le projet de loi sur l'examen, les membres de votre commission des affaires culturelles, sociales et familiales ont renouvelé leur appréciation du travail abattu sur le terrain par les équipes du ministère de la Santé publique. Ils ont ainsi exprimé leur satisfaction pour l'accueil et la prise en charge qui s'améliore dans nos centres hospitaliers, ainsi que pour l'ensemble des actions déployées dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. Sur le projet de loi relatif à la PMA, vos commissaires ont exprimé les préoccupations portant sur la limitation à 50 ans, à 55 ans de l'âge de la femme en couple pouvant avoir recours à la PMA. Pour vos commissaires, cette limite d'âge qui n'existe pas pour les hommes apparaît comme une discrimination à l'endroit des femmes. Article 11. Le renvoi des modalités d'organisation et de fonctionnement des comités d'éthique constitutionnelle à des textes réglementaires, chapitre 15, alinéa 2, vos commissaires ont voulu avoir des précisions sur la voie réglementaire qui viendra apporter ces précisions. Les maladies congénitales des demandeurs de PMA, article 20, alinéa 1. Vos commissaires se sont demandé si la drépanocytose fait partie de ces maladies qui peuvent justifier le recours à la PMA. Le sens des dispositions de l'article 28 du projet de loi sous-examen. Le coût élevé de la PMA
au commissaire, rappelant que certains couples ont du mal à payer les frais d'un accouchement normal, se sont demandé si la PMA ne restera pas hors de portée des populations à faible revenu. Les établissements et centres exerçant actuellement les activités de PMA au Cameroun. Vos commissaires ont voulu savoir si ces centres publics, cas du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, donc public ou privé, exercent jusque-là dans l'illégalité. L'exclusion des femmes célibataires de la PMA. Le système de veille prévu par le gouvernement pour éviter les dérapages dans la pratique de la PMA. Le taux de réussite de la PMA au Cameroun. L'équipement des établissements et centres pratiquant la PMA. Vos commissaires se sont demandé si ces établissements disposent d'un plateau technique approprié et d'une ressource humaine qualifiée. L'accès à la PMA. Vos commissaires ont voulu savoir si, au terme du projet de loi sous examen, des personnes de même sexe vivant en couple peuvent recourir à la PMA. Les complications liées à l'état de grossesse et les moyens dont dispose le gouvernement pour faire face à ces complications, aussi bien dans les cas de grossesse naturelle que pour les grossesses résultant de la PMA. Les maladies sous surveillance épidémiologique dans notre pays et les actions concrètes menées dans le cadre de cette surveillance. Les différents programmes de lutte contre certaines maladies et le bilan de chacun de ces programmes. L'état d'avancement du projet de couverture santé universelle. Le lien entre la PMA et le clonage. Vos commissaires, rappelant que le clonage est interdit dans certains pays européens, à l'exemple de la Grande-Bretagne, ont voulu savoir si le gouvernement a pris toutes les dispositions pour qu'il en soit de même dans notre pays. L'exercice de la PMA dans les centres privés et le contrôle des dérives éventuelles. La prise en compte de certains interdits religieux dans la pratique de la PMA. Les garanties offertes par la PMA en ce qui concerne la qualité des gamètes. Les recettes attendues de la vente des tests PCR à COVID-19, vos commissaires se sont demandé dans quelle mesure l'objectif de 10 milliards de francs CFA prévu dans l'ordonnance numéro 2022-001 du 2 juin 2022 pourra être atteint. La position du gouvernement sur la transplantation des organes. Les modalités de l'enquête sociale menée dans le cadre de la PMA, vos commissaires ont voulu savoir si, outre les demandeurs, cette enquête concerne également les donneurs. Prenant la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission, des affaires culturelles, sociales et familiales, le ministre de la Santé publique a redit ses remerciements pour les évolutions relevées dans le service médical. Pour le ministre, cette appréciation de l'amélioration des services médicaux est un signal d'encouragement pour les personnels de santé qui se déploient sur le terrain. Abordant le texte sous examen, il a souligné la pertinence des questions soulevées et, parlant de l'âge des femmes demandeuses de PMA, il a rappelé que la limite minimale de 21 ans est en lien direct avec l'âge de la majorité civile au Cameroun. Les dispositions du projet de loi sous examen devront être considérées en rapport avec le droit positif national. Poursuivant son propos, le ministre a expliqué que pour les femmes, l'âge maximum d'accès à la PMA a été fixé à 55 ans en raison des spécificités physiologiques de la femme.
En effet, les données scientifiques révèlent qu'après 55 ans, les risques de complications de la grossesse sont très élevés et peuvent engendrer des malformations du fœtus tout en menaçant la santé de la mère. Pour l'homme, la qualité des gamètes diminue certainement avec l'âge, mais les risques de malformation du fœtus sont moins élevés. Évoquant les textes d'application qui viendront préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions du projet de loi sur l'examen, le représentant du gouvernement a indiqué qu'ils seront pris par le président de la République, le premier ministre du gouvernement ou le ministre de la Santé publique. S'agissant des maladies congénitales pouvant justifier le recours à la PMA, le ministre de la Santé publique a rappelé que la PMA vient proposer une solution au problème que rencontrent les couples qui, au préalable, ont subi tous les examens médicaux prescrits dans ce cadre. En ce qui concerne le sens à donner aux dispositions de l'article 28 du projet de loi sous examen, le ministre de la Santé a expliqué que cette disposition vise à protéger l'enfant à naître qui ne doit pas faire l'objet d'un choix basé sur les caractéristiques physiques du donneur. Relativement au coût élevé de la PMA, le ministre de la Santé publique a révélé que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour accompagner les couples les plus démunis dans le processus de la PMA. Une réflexion est d'ailleurs menée à l'effet d'une diminution générale des coûts de la PMA dans notre pays. Au sujet de l'exercice de la PMA dans les centres publics ou privés, le ministre de la Santé publique a réaffirmé que le projet de loi sous l'examen vient combler le vide juridique qui existait jusque-là dans ce domaine. Sur l'exclusion des femmes célibataires de la PMA, le ministre de la Santé publique a déclaré qu'en limitant l'accès de la PMA au couple, entendu comme un homme et une femme, mariés ou non, le gouvernement entend protéger l'enfant à naître en lui offrant un cadre idéal pour son épanouissement. La famille est en effet l'élément de base de notre société et, pour le ministre, ce sont ces valeurs et ce modèle familial constitué par un homme, une femme et des enfants qu'il est nécessaire de protéger de manière générale et plus particulièrement dans le cadre de la PMA. Pour ce qui est des mesures prévues par le gouvernement pour éviter les dérapages dans la pratique de la PMA, le ministre de la Santé publique a déclaré qu'il existe plusieurs filtres. Le premier de ces filtres est l'agrément ou l'accréditation nécessaire pour l'exercice de la PMA au Cameroun. Lorsque l'établissement agréé ne respecte pas le cahier de charge, l'agrément lui est retiré. Le comité d'éthique institutionnel constitue un autre niveau de contrôle coiffé par l'instance nationale chargée des questions de bioéthique. Concluant sur ce point, le ministre de la Santé publique a estimé qu'un tel maillage du système, à côté du régime de sanctions prévues dans le texte sous examen, permettra d'encadrer les éventuelles dérives observées dans l'examen, dans l'exercice de la PMA. Dans la suite de son propos, le ministre de la Santé publique a indiqué que le taux de réussite de la PMA dans notre pays se situe actuellement entre 20 et 40%. La mise en œuvre effective du projet de loi sous examen devant permettre de relever ce taux. S'agissant de l'équipement des établissements et certains des centres de PMA, le ministre de la Santé publique a rappelé que tous les centres hospitaliers ne sont pas concernés. En effet, seuls les centres agréés pourront pratiquer la PMA, l'octroi des agréments passant par la vérification du plateau technique disponible ainsi que celle des compétences de la ressource humaine.
Évoquant les couples homosexuels et leur accès à la PMA, le représentant du gouvernement a rappelé qu'au sens de l'article 3 du projet de loi sous examen, le couple s'entend d'un homme et d'une femme, mariés ou non, qui auront au préalable fait l'objet d'une enquête sociale qui déterminera si ces personnes concernées vivent réellement ensemble et si elles disposent des moyens suffisants pour élever un enfant. Relativement aux complications liées à l'état de grossesse, le ministre de la Santé publique a déclaré que par rapport aux grossesses naturelles, les grossesses résultant de la PMA font l'objet d'un suivi médical plus strict. Réagissant à la préoccupation relative aux maladies épidémiologiques, le ministre de la Santé publique a fait savoir qu'il en existe auprès d'une trentaine qui font l'objet d'une surveillance particulière. Donnant quelques exemples, il a cité le COVID-19, le choléra, la poliomyélite, la fièvre jaune, la méningite, la rougeole, etc. Plusieurs dispositifs permettent de collecter les données relatives à ces maladies et ces données sont compilées dans une base grâce au logiciel de gestion d'informations sanitaires DHIS2. Les collectes intra-hospitalières et les données collectées aux différents postes frontières interviennent également dans la cartographie des épidémies recensées sur le terrain. Évoquant les différents programmes, le ministre de la Santé publique a indiqué qu'il en existe plusieurs. En ce qui concerne la tuberculose et le sida, des progrès significatifs ont été enregistrés, même si, pour le paludisme, quelques perturbations ont été observées. Concluant sur ce point, le ministre a révélé qu'au regard de nombreux efforts déployés et des résultats positifs obtenus, le Cameroun a reçu les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds mondial de lutte contre ces maladies, même si notre pays continue de figurer dans la liste des 11 pays les plus impactés par le paludisme. Par ailleurs, les maladies tropicales négligées sont également prises en compte et c'est ainsi que des dons de médecins ont dernièrement été reçus dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose. Pour toutes ces maladies, le volet préventif fait également l'objet d'une attention soutenue. Au sujet de la couverture santé universelle, le représentant du gouvernement a fait savoir que le projet se trouve au niveau de la dernière étape pour la phase pilote. Certaines maladies font l'objet d'une subvention dans le cadre des programmes ci-dessus évoqués et le gouvernement entend consolider ses acquis en donnant la priorité aux femmes et aux enfants dont l'âge se situe entre 0 et 5 ans. En fonction des moyens disponibles, la couverture santé sera étendue à certaines consultations et aux affections les plus meurtrières. Le projet de couverture santé universelle pourrait ainsi être implémenté dans un délai d'un ou deux ans après la validation du projet de loi irrelatif par le gouvernement. En attendant, le partenaire technique privé retenu a commencé à se déployer sur le terrain à travers l'installation des postes d'enrôlement dans la quasi-totalité des régions. Sur les liens éventuels entre la PMA et le clonage, le ministre de la Santé publique a affirmé que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi sous examen, il n'y a aucun risque de voir la pratique du clonage s'installer au Cameroun. Parlant toujours des dérives éventuelles liées
à l'exercice de la PMA et concernant celles qui pourraient être observées dans les centres privés, le ministre de la Santé publique a expliqué que l'extension de la PMA aux centres privés est effectivement à relier à la forte demande enregistrée. Toutefois, l'encadrement juridique qu'apporte le projet de loi sous examen concerne aussi bien les structures publiques que privées. Il s'agit pour le gouvernement d'offrir à chaque demandeur la possibilité d'aller dans la structure agréée qui lui convient. S'agissant de la prise en compte de certains interdits religieux dans l'exercice de la PMA, le représentant du gouvernement a rappelé que le Cameroun était un État laïque et responsable. Toutes les dispositions ont par conséquent été prises pour qu'aucune communauté religieuse ne soit exclue de la PMA. L'objectif visé par le gouvernement est en effet d'apporter une réponse générale à un problème qui concerne les Camerounais, indépendamment de leurs croyances religieuses. Évoquant la vente des tests PCR et les recettes ainsi escomptées, le ministre de la Santé publique a déclaré que, bien que le budget soit une prévision, l'objectif de 10 milliards de francs CFA inscrit dans l'ordonnance pourra difficilement être atteint. En effet, la recette produite par les pèlerins se rendant à la Mecque est ponctuelle et pas assez élevée. 64 millions de francs CFA pour le septembre. Poursuivant son propos, le ministre a déclaré que cette mesure intervient dans notre pays au moment où plusieurs pays africains abandonnent l'exigence du test PCR, tandis qu'en Europe, la vaccination tend à se généraliser. Au Cameroun, l'exigence du test PCR, au départ, ne se fera qu'en fonction de l'exigence du pays de destination. Notre pays, envisageant que dans un proche avenir, ce test ne soit plus exigé pour l'entrée sur son territoire. Réagissant à la préoccupation relative à la position du gouvernement sur la transplantation des organes, le ministre de la Santé publique a révélé qu'un avant-projet de loi sur la bioéthique est en cours d'élaboration et sera présenté au Parlement en tant que porteur. Au sujet de l'enquête sociale préalable au don de gamètes, le ministre de la Santé publique a soutenu qu'elle ne concerne que le couple demandeur de PMA. Il s'agit de vérifier que ces deux personnes vivent réellement ensemble et peuvent donner une éducation convenable à l'enfant à naître. Pour ce qui est du donneur, le principe retenu est celui du don anonyme, validé par les résultats des examens cliniques effectués sur ce donneur potentiel, dans l'objectif de garantir la qualité du matériel reproductif reçu par le centre de PMA. Concluant son propos, le ministre de la Santé publique a signalé que l'organisme habilité à effectuer cette enquête sociale, les modalités de cette enquête et le format de présentation des résultats seront précisés par voie réglementaire. Après ces échanges, les membres de votre commission des affaires culturelles, sociales et familiales ont abordé la discussion des articles du projet de loi sous examen. Les articles 1er à 53 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. L'article 54. À l'article 54, vos commissaires ont voulu savoir de quels moyens de contrôle dispose le gouvernement pour déceler les erreurs pouvant survenir lors des manipulations du matériel reproductif. En réponse à cette préoccupation, le ministre de la Santé publique a indiqué que l'article 54 fixe le régime de sanction devant être appliqué en cas de faute relevée par le comité d'éthique institutionnel ou l'instance nationale chargée des questions de bioéthique.
Dans ce même article 54, au troisième tiret, vos commissaires ont proposé de remplacer la proposition A à l'autre partitif du par l'article O dans le membre de phrase procède à du mélange de sperme. Le gouvernement n'a pas réagi favorablement à cette proposition et, après cet échange, l'article 54 a été adopté tel que présenté. Les articles 55 à 65 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. Ainsi parvenus, au terme de leurs échanges et n'ayant constaté aucune divergence de fond avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des affaires culturelles, sociales et familiales ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale pour corriger, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 195/PGL/SN/2Z relatif à la procréation médicalement assistée au Cameroun. Et pris maintenant la chambre entière de bien vouloir en délivrer leur conclusion. Je vous remercie.